C'est le dernier match de la saison. Les joueurs doivent livrer un dernier combat pour la terminer en beauté. Les deux équipes vont disputer le dernier match de la saison et j'espère que les joueurs ne sont pas encore en vacances et qu'ils vont s'attacher à terminer la saison sur une note positive. Ambiance de fête dans le stade de part et d'autre, les supporters donnent de la voix. J'espère que les joueurs seront au tempo. Dans la surface, c'est très chaud. Ah, quel dommage, l'arbitre a levé son drapeau. Non, il n'a pas vu son partenaire. Pérez. Van der Vaart. Ogarao. Le contre, c'est une arme redoutable. C'est un bon travail défensif. Ballon renvoyé en arrière. Oh, une passe en profondeur dangereuse. Pas mal, mais ça manque de précision. Ouais, il a voulu un petit peu, à mon avis, surprendre le gardien de loin, mais la trajectoire de son ballon n'a pas été trop bonne. Hein. Il a un petit peu raté sa façon de frapper le ballon. Construire quelque chose. C'est un très bon ballon. Le ballon est encore en jeu. Il n'a pas pu saisir complètement le ballon, mais heureusement le défenseur était là. En jeu, les défenseurs vont pouvoir respirer. Nouvelle occasion de centrer. Attention, il peut marquer. Et but! Quel magnifique départ! Il marque alors que l'on joue depuis moins de 10 minutes. Félicitations! Avec beaucoup de lucidité, il a glissé le ballon à l'attaquant qui était à la limite du hors-jeu. La passe était encore plus difficile que la finition. Ce tir a littéralement fait disjoncter le stade dans un état incroyable. Il mène grâce à ce but. Ah, voilà un but qui arrive bien. Là, ça pourrait bien ouvrir le jeu. Ça va sûrement stimuler l'adversaire à tenter d'en rattraper un avant la pause. C'est beaucoup trop dévissé à gauche. C'est bien, il faut oser. Quand il y a des défenses renforcées, il faut frapper de loin. Le meilleur moyen de ne pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. Il peut frapper ici. Attention à ses fautes, coup franc.
Vers Malen. Ogarao. Ils peuvent construire quelque chose. Attention défense, ça va aller très vite. Il peut surprendre et marquer. Oh, comme c'est fin, quel toucher. Ballon touché par le défenseur. Ballon aérien. Comportement inadmissible, l'arbitre siffle, c'est normal. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Récupération du ballon. Et coup franc concédé à la suite de ce tacle. Carton jaune, à mon avis c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron. Nouvelle occasion de centrer. Ils ont bien ferré le danger. Balmont. Encore une belle occasion. Il le touche de la tête. C'est extrêmement décevant. Tu ne peux pas te permettre sur des centres comme ça de rater ta tête. Il suffit simplement de la toucher, il y a but. Il reprend le ballon. Oh, ce ballon va remonter très vite. 15 minutes de jeu à l'horloge. La menace est écartée. Ils peuvent construire quelque chose. Dégagement de la tête. Une très longue passe. Facile pour la défense. Hors jeu, aucun doute là-dessus. Oh, il est joli ce ballon. Le ballon revient au gardien. C'est une énorme occasion. Oui, les filets tremblent à nouveau. Que c'est bien joué de la part de cette équipe. Bravo. Christian, je crois que sur ce coup dans l'axe, il a bien été aidé par le gardien, qui à mon avis a mal senti le coup.
2-0, c'est vraiment une bonne avance. L'attaque est vraiment de feu. Elle est pleine boule. Elle est capable de marquer. Elle va essayer encore d'en marquer pour essayer d'agrandir encore plus le résultat. Maintenant, c'est de savoir si on le faire avant ou après la pause. Tout près de la cage. Un ballon repassé en arrière. Il essaie d'y arriver. Un peu trop dévissé à droite. Il avait fait le plus dur, il s'était créé l'espace. C'est vrai qu'il était un petit peu loin du but, mais ça aurait pu surprendre le gardien. Ah, je pense qu'il aurait aimé marquer de là. Au niveau de la circulation du ballon, il n'y a rien à dire, mais maintenant il faut être super réaliste. Bien joué, ça peut faire un contre. Long ballon aérien. Bien vu, bien joué. Belle passe en profondeur. Pour Van der Vaart. Ils sont partis sur l'aile. Nouvelle occasion de centrer. Quelle belle occasion! Il a dégagé. Il peut encore avancer. Bon dégagement. Encore une belle occasion. L'attaque est stoppée, ça donnera rien. Joli décalage. La défense ne sait plus où donner de la tête. À mon avis, elle va craquer une nouvelle fois. Le ballon en profondeur. Une solide défense ici. L'arbitre assistant a levé le drapeau hors jeu. Il tente sa chance. Le gardien a remis de l'ordre. Il envoie le ballon loin devant. Bientôt une demi-heure de jeu dans la première mi-temps. Van der Vaart. Ça manque un petit peu de créativité devant, autant frapper de loin. Bien défendu. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Vermaelen. Bon retournement de situation, il a le ballon. Le contre, c'est une arme redoutable. Dans la surface, c'est très chaud. Oh, c'est encore au fond, il mène 3-0 au cours de cette première mi-temps. Avec ce coup et cette belle percussion, il a laissé toute la défense sur place. Et comme dans la finition, c'est plutôt un joueur au pied affûté, il n'a laissé aucune chance au gardien. Aujourd'hui, c'est son jour, pas de doute. Un doublé magnifique et le match n'est pas fini.
3 buts à rien, c'est du bon boulot. Voilà, ils sont complètement en train de se balader. Des occasions, en veux-tu, en voilà. Là, ils sont concentrés, les affaires sont faites. Le seul danger, c'est d'être trop confiant. Avec cette équipe-là, à mon avis, ça risque pas d'être. Charge irrégulière, coup franc. Bon, qui va le tirer? Balmont. Ça chauffe dans la surface. Le gardien a dévié la balle, corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Se défendent bien. Ils sont en totale confiance et ça tourne à la démonstration. Ils sont partis sur l'aile. Ça ne fonctionne pas. Bon dégagement. Passe en profondeur. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Du pied, dégagement sûr. Ils reprennent le ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Tête magnifique. C'est une super occasion. Encore un but, c'est le quatrième. Incroyable, c'est une correction. Ça, c'est une grosse erreur de gardien. À mon avis, il a regardé tout sauf le ballon. Et il a permis à l'adversaire de pousser le tir au fond. Ça ne m'étonne pas. Il n'avait qu'une idée en tête. C'était réaliser un hat-trick. Et en voilà 4, ils sont vraiment dangereux dehors. C'est le wild dans la défense adverse avec tous ces buts d'écart. Ils peuvent se permettre de faire tourner l'effectif maintenant. Sortie du gardien qui s'empare du ballon. Il reprend le ballon maintenant. Van der Vaart. Attention à cette mésentente, ça peut être dangereux. Pas de souci pour le gardien sur cette action. À mon avis, il a senti un défenseur venir derrière lui et c'est pour ça qu'il s'est précipité sur le tir. La défense est malmenée sur le côté. Le tir a été dévié. C'est un tir brossé. Frappe de la tête. Non, c'est loin du but. Thank you.
La défense est vraiment solide. Encore 5 minutes et ce sera le repos. Balmont. Van der Vaart. Ils repartent de l'avant, c'est la seule solution pour espérer que cette rencontre ne soit pas encore terminée. La passe a été interceptée. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal à le faire. Encore pas mal de terrain à parcourir. Bien défendu. C'est un défenseur qui est venu prendre le ballon. Pérez. Encore une belle occasion. Cette attaque ne donnera rien. Et c'est peut-être l'occasion d'ajouter un nouveau but. Belle passe. Il peut peut-être centrer car il joue sur le côté. Il entre, balle au pied dans les 16 mètres. C'est vraiment trop loin du cadre. C'est impossible, Marco de la Lame, d'être fermé. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Une seule minute d'arrêt de jeu. Ogararu. Joli décalage. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Encore une occasion de centrer. C'est beaucoup trop maladroit. C'est la mi-temps. 15 minutes de repos pour les joueurs. Et autant pour... Allez, nous sommes repartis. C'est bien, les joueurs se sont reposés. Le spectacle devrait être garanti. Encore une belle occasion. Il prend sa chance. Ça, c'est pas dangereux, ça passe trop loin du poteau. Et vous avez vu comme il a éliminé, comme il s'est débarrassé de son adversaire. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster son tir derrière. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon. Celui-ci circule bien. On va peut-être voir de belles choses. Il peut frapper ici. Voilà, il s'écroule dans la surface. Elle est grossière cette faute. L'arbitre a désigné le point de pénalty. Il se tourne maintenant vers le joueur qui se voit infliger son premier carton jaune de la partie. Va-t-il pouvoir maîtriser ses nerfs sur ce pénalty très important? Tout à fait remarquable. On a bien vu que ses coéquipiers ont fermé les yeux quand il a botté le péno. C'est vrai qu'il a les pieds en croissant, mais il a bien voulu le tirer. Il a frappé à merveille. La foule semble extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception. L'avance est plus que confortable. 3 buts, ça devrait largement suffire.
ne se précipite pas, c'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule. Il joue derrière la défense. Nouvelle occasion de centrer. Et ils obtiennent un corner. Il envoie au milieu de la surface. Ouais, il marque. Oh, c'est peut-être la balle de match. Là, ils auront du mal à revenir. Tristan l'a versé à la trame, mais le ballon est quand même rentré du bon côté pour l'attaquant. Et s'il était un peu plus grand, il pourrait même aller embrasser la barre. Un trick, c'était déjà merveilleux. Mais alors, 4 buts, c'est vraiment le Pérou. C'est presque un match à son unique. Vu le match qu'ils sont en train de faire en attaque, je peux vous dire que les autres équipes, ils ont intérêt de visionner les matchs avant de les rencontrer. Encore une belle occasion. Il manque vraiment de coordination. Pérez. Encore une occasion de centrer. Super, bien vu, il a mis le pied sur le ballon. Balmont. Il percute sur ce côté. Il choisit de jouer long. Bien donné. Nouvelle occasion de centrer. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Il l'emporte dans ses duels aériens. Il doit trouver une solution. On appelle ça l'esprit d'équipe. Première intervention du gardien et le défenseur qui dégage. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Une très longue passe. Il sort de son but et capte le ballon. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place. En face, ils vont commencer à souffrir. Ogarao. La défense a récupéré le ballon. Ballon renvoyé en arrière. Encore une belle occasion. Encore une occasion de gâcher car le tir n'est pas cadré. Même si ça ne réussit pas tous les jours, c'est les genres de frappe qu'il faut tenter. Au moins, ça fait reculer la défense. Encore une occasion de centrer. Il faut jouer le ballon, pas le joueur, plus fort. L'arbitre semble lui dire de se calmer. Les adversaires ne peuvent plus se permettre d'encaisser un seul but. Frappe dangereuse. À un poil près, c'était dedans. C'est dommage parce que à cette distance, quand même, vous avez habitué à mieux. Hein. Il était peut-être en meilleure forme. Gabri. Ogarao. Pour Gabri. Balmont. Ils peuvent construire quelque chose.
Bien joué, plein axe. Bien joué de la part du défenseur. C'est toujours bien d'écarter le jeu au maximum. Oui, la demi-volée. Oh oui, en plein dans le mille une nouvelle fois. Oh, mettez-vous deux secondes à la place du gardien. À mon avis, il en a ras-le-bol. Et vu sa position, il n'y a qu'avec le pied droit qu'il pouvait frapper. Il s'agit de sa deuxième réalisation aujourd'hui. Franchement, il est en pleine confiance, surtout devant le but. Gabri. 15 minutes dans la seconde période. Vermaelen. Encore une belle occasion. Ils vont effectuer cette touche. Il faut qu'il marque ici. Oh, c'est mal joué, c'est encore trop loin du but. C'est vraiment dommage que ce genre de centre ne trouve pas preneur. Bien vu. Il est bien donné ce ballon en profondeur. Sortie du gardien qui s'empare du ballon. Très belle ouverture. Vermaelen. Ogararu. Balmont. Ogararu. Ce contre peut être redoutable. Il lui faut un espace pour cadrer. Ah, quel dommage, l'arbitre a levé son drapeau. Cette passe peut surprendre la défense. Il s'est dégagé. Bien joué, la demi-volée. Directement dans les gants du portier. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. C'est un ballon bien rendu. Ils peuvent construire quelque chose. Il est dégagé. Pérez. Une telle cohésion est assez impressionnante. Ce sont les milieux de terrain qui dictent la cadence. Encore une belle occasion.
est belle cette passe. Il pique le ballon. Encore une occasion de centrer. Cette fois, il visait vraiment les oiseaux. Et vous avez vu, ça, c'est l'action de décolle. Le centre parfait, la volée derrière, le corps bien couché. Ah, ça aurait pu être un but fantastique. Au second, il me semble bien mené. Va-t-il trouver le bon timing ? Il a tout simplement manqué de précision sur cette action. Et malgré son défala, il a quand même raté le cadre de peu. Premier changement opéré par l'entraîneur dans cette rencontre. Peut-être que l'entraîneur veut tout simplement savoir si son remplaçant est aussi performant que lui. En touche à un très bon endroit. Il tente à nouveau sa chance. C'est très loin du poteau droit. On a vraiment senti ce qu'il voulait faire. Hein. Il avait la force, mais il n'avait quand même pas la précision. Nouvelle occasion de centrer. Le joueur frappe. C'est chaud bouillant. L'attaque n'a rien donné car dévié en corner. Il arrive devant le nez du gardien. Nous obtenons une touche dans le camp opposé. Une solide défense ici. But ! C'est au fond du filet. L'arbitre valide ce but. Et ce joueur est toujours très adroit devant les cages. Et même si la défense a fait une erreur de marquage sur ce but, on a vraiment l'impression quand même qu'il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. Il réalise vraiment de belles choses. C'est un travailleur infatigable et c'est bien qu'il soit récompensé par ses deux buts. Vous avez vu comme il a éliminé, comme il s'est débarrassé de son adversaire. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster son tir derrière. Il faut la reprendre. Et c'est encore dedans. Deux buts encore marqués à l'instant, mais c'est incroyable ce scénario. Là, on a vraiment senti que le ballon lui avait échappé des mains. Oh, il a mis le garde de vaisselle de sa femme. C'est pas possible, il a offert un cadeau à mort à l'adversaire. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Ils peuvent construire quelque chose. On n'a pas le droit de jouer comme ça, faute. La passe a été interceptée.
Du froid accordé, mais oui, c'est trop physique. Ça ne va pas être facile d'ici. Le goal la bloque. Il essaie de marquer. Encore une belle occasion. Trajectoire coupée par le défenseur. Belle passe. Nouvelle occasion de centrer. Il tire. Et oui, oui, oui. Bien joué. L'écart est suffisamment important. Maintenant, il faut faire tourner le ballon. Vous avez vu, Christian, il a de la chance de marquer ce but sur ce superbe centre. Son short était si bas qu'il aurait pu le gêner dans la finition. Bien joué. Ils peuvent construire quelque chose. Il lui faut de l'espace. C'était dans la surface de réparation et c'était chaud, chaud, chaud. Il y aura une minute d'arrêt de jeu. C'est pas si mal, mais ça passe à côté. C'est vraiment la tête plongeante idéale. Il lui manquait plus que la piscine dessous. Il a mis la tête comme il fallait. Le ballon est passé juste à côté. L'arbitre signale la fin du match. Il faut donc rentrer au vestiaire. Beaucoup de points positifs autour de ce match. Normal qu'il l'ait emporté. On a vu du football de haut niveau. Et Christian, je crois que...